En route, conduisez prudemment. Château Rouge, ça me dit 43 minutes. 43 minutes jusqu'à Château Rouge. C'est bon, tu seras là ou pas? Parce que moi, il faut pas que je traîne. Je fais vite fait, je continue là. Ok. D'accord, ça marche. À tout à l'heure alors. Je dois continuer là. Je me sens très fatiguée en fait. De caméra. Hello. Hi. How are you, my dear? Good morning, everybody. Hello. Hello. How are you? Hello. 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 Tournez à gauche sur avenue du président Georges Pompidou. Hello. Good morning, my girl. Good morning, girls. I just do hook up. I'm tired. I'm de Paris. I'm come yesterday. I'm come back yesterday to United. Yesterday, I'm coming back. Okay, now I'm going to Chateau Rouge to do. Good morning. Hello. Dans 700 mètres, serrez à droite. How are you? I'm come back, my baby. I'm come back. I'm come back, my girl. I'm come back. I come back yesterday. I'm so tired. Huh. Oh yeah. I'm so tired. I don't think I'm go back to my home. So I just stay to Paris. I'm sleeping. Because yesterday I'm not fit drive my car, reach my home. If it's somebody you know understand, are you problem? That's so. Hello, my girl. I want just tell. Hello, my abe. Hello, my people. I'm come back. I want just tell you. Say I'm de Paris. I'm come back yesterday. Yesterday, I'm come back. I reach here. Rain in the fall. So, rain the fall. When I come back to airport, I just see rain the fall. So, I see say I no fit to drive the car because it de glisser. Everything de glisser. When I de for Charles de Gaulle to come home, I see say accident for road. So I'm come back. I just tired. I say I de sleep. Hello, my friend. Hello, my baby. Hello, hello, Mama Perpe. How are you? I'm come back. I'm come back with the orange. So I greet the first lady. Since I no wash my hand, I no wash my body. Hey, now so you do. Yeah, yeah. Hello, my friend, Mama Perpe. Ya video, I give back for Mama Chantal Bia. Yes, it de appreciate you over. It de give you over le cœur, over heart. It de give you for when he say tell me say he like to see you.
Yes, say he like me, he like you. So you na le 10, me na le 9, after we na what? First lady for Cameroon and say after Mama Pepe and Flodel and Mafo, le reste na virage. Thank you, Mama Chantal Bia. Thank you for all love where they love me. Thank you for that big, big envelope. Where don't give. Say a gift for Mama Pepe. Na so idée. Assis son. J'ai vu. I'm forget. I just see son ruthless girl. Son psychopath woman. Eh, vraiment. I don't bloquer you, eh. So woman, we, my pepe, you know the girl we you over the call you yesterday, down fall. We call you, he go do the red for my name and your name. So then he talk say, say partage. He say then the partage say down the red na for talk for Mama Chantal Bia. Vraiment, where the talk say they partage. I see one person where they see it. Some useless people. Vraiment. Oh, vraiment, one of the so far for we back, eh? After Chris Me. I don't talk Chris Me with my language. After Christmas. After Christmas, I go come for report. I go report one for 2000. 2023. I see son television. Chaîne 1800. Sur le câble, 1800. Son television. Where I know the CSF. Me too, na big television. It is a new, I feel go television. So they are here, Congo, say, they say son blogger no go over past day. Oh, franchement, na pitiation. When I know fit do something, when I know call my name. Because one of the fan audience with the name for the gist and name for the nerf. Pass down one, when are they who? They don't know one. When I think say I feel ridiculized for go pass for television for 1800 for locable. For taper number 1800. Laisse-moi passer toi. It seems I feel go pass for television number 1800. 1800. Ajewa. Now we go pass for television for 1800 number 1800. Son wo. Every time we I go porter play for down television. Abey, when I write down for director for the program for down television. When I write down for day, because they don't get the droit for the support me for there. When I don't ya. Oh. Uno say we America people need the blague. Huh? When I go change comportement like America people, when I go yeah. Me when I write for down television, oh. Me when I write for there, oh. Say me down there, no, if they sabotage me. I don't know why he get overrage for me. That woman, we get combo. I don't know till I don't do it. That woman for Congolibo. What that presentator for Congolibo? Now what you don't do it? Eh, baby girl. Eh, man, we people. My people, them. That woman for television, what you Congolibo? Me when I ask you, say, what you don't do it? What you don't do for you? When I go as he say, I don't fuck the same boy with ye. I want just to know. Because last time I see him for some cry. He bring me for toilet. He ask me, say, wait, why I don't insult him? I tell ye, say, before that one way go pass for television. Na grone go send him for me. I know see, oh. Na grone be send him for me, oh. He departage for me. Say they don't coach me. I know BCO. I just come for talk.
So I know once here son she come again talk where I no see. I know by CEO, I know by ya. I know the television. Yesterday I know watch the Facebook I be fatigue. I be tired. So I no go my home. I no see my mother self. I'm still in Paris. I want to buy we fish for Chateau Rouge, for Joël de Chateau Rouge. I go Joël de Chateau Rouge. I want to buy Christmas. I want to buy Christmas food because my bag, my luggage, when I did see my luggage there, yeah. So I want to buy miondo, I buy meat, I buy queue de boeuf because we'd go Ugonjoka. No, we'd fete. We go do Christmas. We go do Christmas for Lille because tomorrow if I say I go to the Lille. So me, I want buy we fresh thing for here for Paris. Because I did go for Shupi or home. I did go for my son. I did go fete Christmas for my son. For Lil with my petits enfants. For I still the road, I did drive. I be responsible man when I don't hear. Mais so it is. Oh, il y a les camions à Paris. Oh là là. Elle dit que les embouteillages, vous ne partez pas en vacances, les Parisiens, mais vous ne partez pas en vacances. Good morning, bonjour tout le monde. Donc, c'est la reine mère, la maf, je suis de retour. Et c'est la publicité même. Vous savez que. Depuis là qu'il n'y a plus la monétisation, depuis beaucoup de gens ont déposé les directs, dis donc. Parce que vraiment, perdre le temps même pour rien là. Vraiment, parler même pour rien là, ça me sert à quoi? J'ai trop parlé pour rien, donc. Non, il n'y a même pas la monétisation. Je vais continuer à faire les directs. Comme, mais vraiment, beaucoup de gens ont déposé l'affaire des directs là. C'était grave. Ah, le nom de ma faux chauffe parce que les gens veulent être monétisés. Nous, on a commencé, il n'y avait pas de monétisation. Hein? On a commencé, il n'y avait pas ça. Ouais, les gens font les directs pour parler de moi. C'est pas parce qu'ils me détestent, toi. Hein. D'autres, c'est la haine viscérale, comme certaines. Mais d'autres, c'est parce qu'ils cherchent la visibilité. Mais il y a des façons de chercher la visibilité. Bonjour mes cœurs, bonjour les abeilles, bonjour la team, bonjour les TKC. Bonjour le reste des teams, merci de m'avoir suivi pendant mon tournée américaine. Je voudrais remercier les gens des États-Unis, hein, toute la communauté américaine voilà, qui m'a reçu. C'était magnifique. Mais on fera un direct spécial. Hein. Vous savez, des fois quand je vais en famille comme ça, je ne suis pas trop direct. Donc je pense que je ne ferai pas de direct. Je n'aurai pas le temps, tu vois. Je dois cuisiner, je dois faire la déco. Donc, si j'ai un moment de faire le direct, on tape le divers. Pendant que je suis là-bas, je choupis. Bon, pendant qu'elle va enfiler les brochettes, on peut taper le divers. Mais bon, après, je peux filmer la table de Noël. Dans 300 mètres, utilisez les deux voies du monde. Je peux filmer la table de Noël, non? Je ne sais pas. Bon, après, il y a des choses que je n'ai pas forcément envie de filmer. Comme si vous allez, je serais désiré. Oh, ma faune n'a pas filmé la table de Noël. Bon, mon menu de Noël, c'est un menu simple, vous voyez, c'est un menu vraiment simple. Je voulais faire le chapon, mais le chapon, c'est Noël, c'est le chapon. C'est mais, droite vers A86 en direction de Saint-Denis. Mais la farce du chapon, j'aime pas. Parce que c'est avec le truc, c'est sucré. J'aime pas trop ce qui est sucré. Dans donc, je sais pas, mon menu de Noël, je fais quelque chose de simple. Hein. Je vais faire un gigot d'agneau, le poisson braisé,
gigot d'agneau, poisson braisé, poulet DG. Parce que en fait, serrez à gauche, on est combien? 86 en direction de Saint-Denis. Choupi, on est combien? Maman Anna. Attends, on est combien? On est 6. Hein? On va faire simple. Donc, on est combien? Ça va être trop de nourriture parce que après, je. Donc, on est combien? On est maman Anna, Choupi, moi. Maman Anna, Choupi, moi. Doudou. Ma copine. Les deux enfants de ma copine. Donc, nous sommes 7. Ça va? Une petite table. Parce que les gens travaillent. Il y a certains qui travaillent. Non, on sera peut-être 7. Hein? On sera peut-être 7. Donc, 7 personnes. Je voulais bien piler le tarot, mais je vais manger avec qui? Vous savez, le tarot, c'est un truc que... On pouvait faire le tarot le dimanche. Non, non, c'est samedi. Le dimanche, on faisait le tarot. Mais j'oublie les trucs comme ça. Il ne va pas manger. Hein? Qui veut manger avec qui? Maman Anna, elle va manger, c'est un peu. Oh, je peux prendre le tarot. Hein? Pile le tarot dimanche. Non? Je ne peux pas avec mon moitié. Alors, il faut que je parte avec mes choses. Parce que le genre de maison que tu arrives, tu commences à te demander. Je veux si on dit que maman, il n'y a pas. Oh, je ne veux. Je veux le couteau. Maman, mon couteau, il n'y a que ça comme couteau. Je veux si. Maman, attends, moi je ne peux pas faire tout comme ça. Vraiment, ici, on ne peut pas trop les choses comme ça. Je veux si. Non. Je veux m'apporter mes choses. Et n'aime pas quand je suis en cuisine, je manque les ustensiles. Ouais, la mamie, les petits mamies des watts comme ça, gars. Je vous prie, donne-moi la mamie. Maman, bah, la mamie là-bas, ce n'est que ça comme mamie. Hey, donc, mieux, hein. Attends, je vais appeler ma... Je demande si je prends le tarot. Je demande un peu si je prends le tarot. Le tarot pour dimanche, non. Je vais pouvoir rester à Lille. Non, le 31, je vais fêter chez... 31 avec Maman Perpé. Nous, on va aller à... Maman Perpé, on va chez le Vieux Lyon. 3 km. Sortez vers sortie 8 en direction de Saint-Ouen. On va chez le Vieux Lion à, au refuge. Le 31, il y a Nicole Marat qui va chanter là-bas. Donc, je pense que nous, on va aller chez Nicole Marat. Hein. C'est mieux une fois que je finisse. On va aller chez Nicole Marat. C'est mieux, non? On va aller le 31 au refuge. Je vais poster l'affiche tout à l'heure. Quelqu'un dit c'est quoi le sujet? Le sujet c'est que je suis revenu des États-Unis d'Amérique. C'est ça le sujet, chérie. Hey, regarde comment quelqu'un coupe la route. Ça c'est quoi ça? Est-ce que les enfants avaient demandé que je veux le... Hey, je prends mes choses, oh. Je prends mon mortier, je prends mes trucs parce que hein, je veux pas que je demande que je veux ça. On me dit maman, il n'y a pas. Je veux ça. Maman, il n'y a pas. Mais attends. C'est comment? Je veux telle chose. Non, maman, tu sais que ici, là, moi, je ne... Ici, là, nous, on ne peut pas faire des trucs comme ça. Non. Donc, du coup, ça, c'est un cadeau qu'on m'a offert à Atlanta, le pull, là. Le pasteur d'une église qui m'a offert. Attendez, je passe... Vous savez, quand je pense à un truc, il faut directement faire parce que sinon, je vais oublier. Ah, voilà, je vais remettre l'argent de maman Anna devant tout le monde. Hein, parce qu'il faudrait que les gens voient comment je remets ses dos. Le dollar a baissé. Hein, beaucoup même. Alors qu'à un moment, le dollar était presque comme ça, dépassait même l'euro maintenant. C'est prendre le tarot. J'appelle comme ça la personne qui va piler le tarot là. Si je prends le tarot. Maman Pépé, il faut voir avec ton frère Macabo. Hein. Son go refuge.
c'est quand il y a une équipe d'une joker. C'est quelqu'un qui aime bien la fête. Quand on est avec lui, on est à l'aise. Tu lui dis de venir avec. Tu dis à Doudou, hein. À ton Doudou, qu'on go fêter à Pago. Au refuge. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aussi appeler Maman Binetou, hein. Ah, il faut aller dans le 17e. Où est les embouteillages qu'il y a? Ah là là, j'ai son paquet. Et j'ai sommeil. Hein. Oh là là. À Paris, il y a les bouchons. Le 10 et le 9. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste qui s'embrouille là. Vraiment, les plateaux mbrakata. Je ne sais pas comment les gens passent à la télé pour utiliser la haine. Moi, je comprends, je ne vous comprends pas. Vous pensez que ça en passant à la télé, vouloir me salir, vouloir, quand je vais m'asseoir pour vous répondre, vous allez dire que Flore de Lille a fait, que je n'ai jamais publié personne. Arrêtez de pleurer ma vie. N'importe quoi. Quand tu baises, quand vous couchez dans les chambres avec les hommes en train d'écarter vos cuisses, mais ces gens-là à qui vous devez demander, putain de bordel, vous voulez qu'on revienne dessus, c'est quoi? Mais collez-moi la paix, voyons. C'est pas possible, ça. Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi? Mais collez-moi, mais fichez-moi la paix, putain de bordel. Mais c'est pas possible. Combien de personnes m'ont publié sur Facebook? Est-ce que je ne vis pas? Parce qu'on avait dit que... Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit sur moi, putain de bordel? Arrêtez de vous victimiser. Moi, je fais des conneries, ça n'engage que moi. Et les personnes que, sans confiance qui étaient autour de moi, c'est tout. Mais arrêtez d'accuser les gens quand vos vies, quand ça ne va pas. Mais tu dis que quelqu'un t'a pris, mais va porter plainte alors. Mais moi, je ne comprends pas. Mais si quelqu'un t'a fait du mal, nous sommes en France, nous vivons dans ce pays. Si tu es sûr avec des preuves qu'une personne t'a publié, tu vas porter plainte à la personne. Sortez à droite. Facebook, c'est le tribunal. Facebook, c'est pour attiser la haine. Pour qu'on déteste une personne, mais vous n'allez jamais arriver. C'est mort. C'est vraiment mort. Vous n'allez jamais arriver à me faire détester. Oui, il y a des gens qui me détestent. Bon, je les accorde ça. Mais il y en a qui me détestent. Après, quand ils découvrent que vous racontez que des conneries et que vous tissez que de la haine, ben, ils se disent, mais pourquoi s'acharner sur une personne? Vous n'êtes pas fatigué, vous acharnez sur moi. Jusqu'à passer dans les télévisions, vous acharnez. Mais moi, j'ai la peine pour certaines personnes qui s'asseyent même avec... Franchement. Direction de la Courneuve. La Courneuve. J'ai de la peine, hein. Oh là là, Courneuve. Oh là là, putain. Les gens aussi conduisent. Oh. Ouais. Mais celle-ci m'équipe devant moi. Oh, c'est pas possible. Ouais. Seigneur. Dans 700 mètres. Sortez vers sortie 9 en direction de la Courneuve Centre. Vous n'êtes pas fatigué. Vous avez fait des réunions nocturnes. Ça n'a rien donné. Maintenant, c'est dans les chaînes de télé. En fait, depuis des années que vous parlez de moi, vous ne voyez pas que vous perdez le temps. Mais soit possible, vous ne pouvez pas passer votre vie à faire semblant. On ne fait pas semblant avec Dieu. On ne fait pas semblant. C'est Dieu même qui va me punir tout le mal que j'ai fait. Ce n'est pas un humain comme vous. Vous êtes trop parfaite. Dans 300 mètres. Tous les jours, elle a fait du mal, elle a fait ceci. Mais putain de bordel, vous ne portez pas plainte. Pourquoi? Mais allons en justice. Parce que je vais finir par porter plainte contre vous, hein. Ça va pas, non? À droite, vers sortie 9, en direction de la Courneuve. Mais c'est pas possible, ça. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Mais c'est pas possible, ça. Mais c'est quoi? Mais putain de bordel, vous pouvez... Mais vous êtes acharné sur une personne comme ça? Mais vous pouvez pas, c'est votre acharnement qui pousse des personnes à chercher à me connaître. Qu'est-ce que vous me voulez? Dans 200 mètres, tournez à droite sur avenue du Stade de France. Qu'est-ce que vous me voulez? Mais collez-moi la paix. Je ne vous calcule pas, je ne vous gère même pas. Parce que vous ne me servez à rien. Vous n'avez rien de bon. Mais quand même, il y a des choses que tu ne peux pas passer à la télé, te permettre d'avancer certains trucs. Moi, je ne comprends pas cette haine. Où c'est la haine? Où c'est l'amour? Où c'est quoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
Je n'ai jamais publié personne. Je vous dis en toute sincérité. La personne qui a publié cette fille, elle connaît, c'est son amie. Tournez à droite sur avenue c'est elle. Stade de France. Et c'est cette femme-là qui a donné la vidéo. J'ai toujours dit c'est une vidéo. C'était une vidéo que la dame, ces gens ont fait. C'est une vidéo, c'est pas... Tournez à droite sur rue Francis de Présensé. Arrêtez de vous faire filmer. Vous n'êtes pas les premiers ni les derniers. Moi-même, on m'a publié en train de tailler une... Tu as su c'est le bon cas. Mais c'était pas moi. Donc, je vais pleurer toute ma vie parce que... Ah, dis donc, il faut arrêter. Quand on n'a plus rien à dire, on se tait. Et je n'ai pas peur des clashs, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Que ça recommence, serait tout d'accord. Arrête de me klaxonner, c'est quoi? Moi, j'aime pas ça. Hein? Klaxonner une américaine. Donc, les clashs recommencent aujourd'hui. Mais, au fait, vous avez tellement fait des campagnes. Les campagnes contre moi. Les campagnes pour rien. Comment tu peux dire que quelqu'un est ta soeur et tu cherches à faire du mal à cette personne? Je comprends pas. Pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je te dois? Qu'est-ce que je te dois? Est-ce que je t'ai publié? Non, je te l'ai dit. Je t'ai jamais publié. Tu sais qui l'a fait? Pourquoi tu ne t'attaques pas à la femme d'une ganda qui t'a montré comme ça? L'indemanou, tout ça. Pourquoi tu t'attaques à moi en fait? Je ne suis pas ton égal. Arrête de t'acharner sur ma vie et fais des réunions pour que les gens me haient. Je n'ai rien contre toi. Tu fais ta route, je fais mon chemin. Est-ce que ça n'a pas marché? On a essayé de faire la paix, ça n'a pas toujours marché. Puisque moi j'ai été sincère, tu n'as pas été sincère avec moi. Vu que quand Kouakoukou a commencé à me saboter, tu as soutenu avec les ténèbres. Soit disant que tu es ma soeur. Et même si c'était vrai, tu as fait la paix avec une personne, tu vas accepter ce genre de sabotage. Si je suis lesbienne, c'est ma vie. En quoi ça vous regarde? Si je ne veux pas assumer, c'est mon problème. Hein? C'est quoi ton problème dans ma vie? Je parlais bien avec toi. Hein? Je parlais bien avec toi. Quand cette fille commence, elle vient d'abord te voir, elle te parle. Les enregistrements, ta voix, on revient là-dessus. Toi qui es ma soeur, pourquoi tu ne m'as pas contacté pour dire qu'il y a une fille comme ça qui est venue parler de toi? C'est quand elle m'a envoyé les enregistrements que j'ai su qu'elle avait. Parce que tu étais une personne. Tu devais me... Je parle de ça, je ne vais plus jamais parler de ça. Tu ne me sers à rien. Vraiment. Hein, ma? Hein? Où, Maga? Ngan? Ngamba, je prends le tarot. Un petit tarot, frère de peau, non? Au fond de la peau. Oui. Donc je prends un peu. En fait, ok. Où est le condiment? Pas, non? Ok, prends le. Ton, je vais prendre mon mortier. Je ne sais pas si mon pilon est même où. Mon mortier est petit, hein? Mon petit mortier, là. Mm-hmm. Donc je prends juste le tarot et quoi? Il y a des atouts, non? J'ai la peau de bœuf au congélateur là que j'avais ramené du Cameroun. La viande. Mbappé? Oui, aubergine. Là je prends une fois tout ici. Bonjour aubergine, car. Ouais, il faut que je. Aubergine, dit non. Non, que là. Où est aubergine, dit quoi? Ah ok, d'accord. Aubergine, c'est ça là. Ah ok, ça marche. Pardon, ah, celle-là me veut quoi? Ah, tu vas me raccrocher, moi, parce que moi, j'ai le GPS sur le téléphone. Mais c'est pas possible. Tu sais que quelqu'un t'a jusqu'à celle-là, dit que tu parles avec quelqu'un, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que la femme-là me veut? Moi, je vais lui demander. Hein? Moi, ce sont les fêtes qui sont en train de vouloir passer. Moi, je ne veux pas... Je ne veux pas entrer dans ces conneries. Mais dis à cette dame de me laisser
de me laisser tranquille. Elle sait très bien que je n'ai jamais publié ses photos. Même Gazon, là, elle sait que c'est pas moi. Si Gazon, tu penses que je t'ai publié, mais pourquoi tu me portes pas plainte? Quand tu faisais le sextape et envoyais à quelqu'un aux États-Unis, qui était avec toi? 14 vidéos, mais putain, mais collez-moi la paix. Aujourd'hui, tu es avec Petit Pays, c'est ton. C'est ton. Voilà, au moins tu as trouvé. Peut-être il a vu tes fesses et tout, il a aimé. Il a aimé le gazon. Comme on dit que la vie, si. Chacun, c'est. Peut-être il t'a vu le gazon comme s'il a aimé. Pourquoi vous ne me collez pas la paix en fait? Pourquoi me collez? Nous sommes en 2000, vous avez commencé depuis. Nous sommes en 2023 qui va commencer à passer à la télé, encore mon nom. Franchement, hein, moi, sincèrement, ça fait pitiation. Hein. Ça fait pitiation. Il y a des personnes que tu te dis que. Franchement, c'est quoi ça? C'est quoi cette. Vous pensez que. Mais c'est pas possible. C'est quoi? C'est la notoriété? C'est quoi? C'est quoi? C'est la recherche de quoi? Pourquoi tu veux faire détester une autre personne pour qu'on t'aime? Tu m'as pas fait du mal? Tu sais ce que tu m'as fait? Parce que je n'en parle pas? Il faut arrêter. C'est quoi ce truc-là? Si vous voulez les clashs avec moi, si vous voulez qu'on recommence, on recommence. Mais seulement, je n'ai plus envie de ce genre de choses. Parce que je ne suis pas un faux cul, en fait. Je suis quelqu'un de vrai avec des gens. Quand j'ai fait la paix, j'étais vraiment, moi, sincère. Mais quand j'ai vu les histoires de quoi, coucou, là, que tu étais dedans, vous parlez, ta soeur, j'ai compris. Vous êtes un clan. Puisque quand ta soeur fait les vidéos, elle partage. Vous êtes un clan. Bonne chance à vous, il n'y a pas de problème. Si c'est comme ça que vous avez décidé de faire. Tant mieux. Mais dans la vie, il y a des choses. Quand tu fais la paix avec quelqu'un, même si c'est une fausse paix, il y a des choses que tu ne peux pas accorder. Je n'ai aucun problème avec toi. Tu laisses ta page, tu laisses ton audimat pour qu'on me sabote avec. Mais c'est incroyable. Mais est-ce que vous pouvez faire un peu l'inverse? Comme moi, une star, depuis quand même une star part dans les choses et des faux profils, même pour toi appeler dans le noir et trop bavarder. Vous me voyez trop faire ça. Vous pensez, je ne vois pas les gens qui font les directs. Mais quand tu es une star, tu te respectes. Même si j'apprécie, je ne suis pas obligée d'aller tout le temps là-bas, dans ces histoires, dans le noir. Moi, je respecte les personnes qui le font, qui filment, qui parlent pour nous, qui nous défendent et tout. Mais l'image est très importante. Je ne suis pas obligée d'aller commenter ou bien d'aller partager ou bien d'aller parler dedans. Mais je regarde et j'apprécie. Tu as pris la fille guinéenne pour venir me combattre, soi-disant qu'elle était pour ma pute. La fille guinéenne pour venir me combattre. J'ai beaucoup de fans guinéens hein, que je salue d'ailleurs. Mais sachez que nous sommes des Camerounais et qu'une étrangère ne viendra jamais. Nous, on va beau se détester entre nous. Les Camerounais ne se détestent pas. J'ai vu ça aux États-Unis. On va bien faire ça, mais on est entre nous. Et c'est comme ça que ça est. Pourquoi faire ça? Mais vous avez donc fini de me saboter, de me salir, de raconter les conneries. Et dans tout ça, il n'y a aucune image. Hein? Parce que c'est trop facile de lancer la caméra et de dire que tel a dit que. Il n'y a aucune vidéo où on m'entend, aucun voice où on m'entend en train de salir quelqu'un dans tous vos sabotages. Aucun. Pour dire à quel point je suis prudente. Pas que je ne parle pas. Mais il y a des personnes avec qui on parle, des personnes avec qui on ne parle pas. Aucun voice publié que Flo Delis est en train de dire ceci, parler de tel, parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Pourquoi vous gérez trop ma vie? Pourquoi ma vie vous intéresse tant? C'est vrai. 300 mètres. Je suis star. Serré à droite. Je ne doute pas, c'est normal. Mais il y a beaucoup de jalousie. Et votre jalousie pousse les gens à plus chercher à me connaître. C'est vous qui faites aussi ma star mania. C'est vous qui faites ma star mania. En 2023, organisez ce que vous allez organiser. Parce que même là, même, je ne veux même pas que vous arrêtez. Il faut continuer à vouloir salir mon image, à vouloir me détruire. Vous n'arrivez pas. Hein? À vouloir me salir, à vouloir faire les choses contre moi. Vous organisez ceci avec des vieux pères. Vous avez fait le coup d'état manqué. Parce que les voix de ce monsieur, ce qui est sûr, un jour vous allez publier ça. Vous allez tenir enchanté un père de famille comme ça. Un père de famille comme ça qui a sa femme et ses enfants. Vers qui vient vous parler
parce que vous avez trouvé un moment où de détresse, parce que je ne sais pas. Oh là là, qu'est-ce qui ne va pas? Boulevard Nel. Pourquoi je suis venue passer ici? Ouais. Donc, ça me dit quoi? Normalement, si je suis passé par là-bas, non. Donc, un père de famille, j'ai réclamé mon argent, c'est devenu que... C'est devenu autre chose. Donc, je ne devais pas réclamer. Vous avez fait des groupes. Les gens qui montrent qu'ils sont parfaits. C'est incroyable. On peut être parfait. Présenter sa femme à tout le monde entier. Et faire un enfant dehors. C'est incroyable, hein? Ça arrive, hein? Mais vous, les hommes, là, quand vous, on vous voit trop sur Facebook, trop faire comme si vous avez trop de l'amour pour vos familles, là, ce sont des personnes qui cachent quelque chose. Dans 1 km, tournez à gauche sur boulevard Ornano. Mais j'ai de la peine pour des femmes Mboutoukou. J'ai de la peine pour les femmes Moumou Sakaria. Tu es mon mari. Officiellement mari, tu me fais que te tape la main sur la tête, te mets dehors. Ah oui, 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 oui. J'ai dit qu'elle te met dehors. Tu vas rejoindre ta maîtresse et ton enfant. Et vous vivez votre amour. Mais entre-temps, quand on publie l'enfant qui est de légitime, on publie l'enfant bâtard qui est dehors. Excusez-moi, hein. Ça fait comment, en fait? Moi, je ne comprends pas certaines femmes. Certaines femmes qui font les enfants avec les maris des gens. Mais c'est quand même incroyable. Mais comment tu peux voir un homme marié qui publie sa femme tous les jours sur Facebook? Tous les jours. J'arrive pas à accepter ça. Hein? Comment tu peux voir un homme qui publie sa femme tous les jours, l'image de sa femme? Toi, tu es une fille qu'on a connue sur Facebook. Parce qu'on t'a connue, tu voyais déjà. Et tu n'as pas fait l'enfant avec ce monsieur. C'est incroyable, hein? Tu vas accoucher avec la personne. Parce que tu vas enlever sa femme qui est dehors. Le tribalisme, c'est quelque chose. Au frais du village. N'importe quoi. Mais franchement, vous les hommes, là, apprenez à utiliser les présos. Apprenez à utiliser le préservatif. Il y a la polygamie qui existe. Mais il n'y a pas de polygamie en France. Vous ne pouvez pas rabaisser une femme jusqu'à ce point. Mais ces femmes-là qui sont dans les mariages, dont vous avez peur, nous sommes en Europe. Putain de bordel. Mais nous sommes en Europe. Tu tapes la main sur la table. Mais d'un homme te fait l'enfant dehors, tu le mets dehors. D'abord, tu le mets dehors. Tu le mets dehors. On a un bengue, le mariage de quoi? Hein? T'as collé, tu le mets dehors. Même s'il va revenir, tu le mets d'abord dehors. Tu dis que hein, je vis, j'élève mes enfants seuls. Une femme doit être prête à tout recommencer à tout moment. Les hommes sont des diables. Il faut les voir. Devant les gens, ils font semblant d'aimer. Derrière. Ça me fait de la peine, hein? Ça me fait de la peine. Un homme qui appelle sa maîtresse en vidéo et montre sa femme qui est assise ou bien qui est occupée. Pourquoi? Comment tu peux appeler? Ta maîtresse t'appelle en vidéo, tu es assis là, mais tu montres ta femme. Non, elle est à la cuisine. Non, elle est assise là-bas. Non, elle est en train de faire ceci. Pourquoi vous les hommes, vous êtes méchants comme ça? Pourquoi vous ne voulez pas? Vous faites semblant et respectez vos épouses alors que c'est vous qui descendez vos épouses. C'est vous qui rabaissez vos épouses devant vos maîtresses. Un vrai homme, tu ne parles pas de sa femme, même la maîtresse. Et dit que un vrai homme, non. Une maîtresse ne peut même pas. Quand tu veux parler, c'est moi qui te dis que... Tournez à gauche sur boulevard Ornano. Ah non, laisse-moi passer chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, pardon. Merci, pardon chérie. Pardon, boulevard Ornano, oui. Oui, pardon. Ouais, pardon, laisse-moi passer, non, s'il te plaît. Oh, excuse-moi, c'est la fatigue. Pardon, s'il te plaît chérie, pardon. Pardon. Je vais le château rouge. Pardon, commence à me préparer mes trucs. Je vais le maquereau. Tu me mets 5 kilos de oya.
Donne-moi le kimakero. Oh ya, pardon. Les hommes que vous voyez là, quand ils sortent de la maison, priez seulement qu'ils reviennent sans enceinter les femmes dehors. Hush, Adama. Et dans tout ça, on est là, on fait le njoka. Hein? Dans tout ça, le njoka, les faux profils. Moi, dites-moi comment quelqu'un de responsable peut même parler avec les faux profils, montre sa femme. Que là, voilà, elle est en train de faire ci. Franchement, vous avez la chance que vous faites seulement ça. Moi, je suis sauvage. Hein? Ma soeur en mariage, on lui fait, c'est pas l'enlever là-bas, dis donc. Vous croyez que quoi? Tout ça, quand une femme ne fait rien. Quand une femme ne fait rien, c'est comme ça qu'on monte sur ta tête. Parce que tu dépends de l'homme. Les femmes qui sont à la maison, soi-disant, mais au foyer, là, allez même faire les ménagements, allez même faire les formations. Un homme ne peut jamais respecter une femme qui ne fout rien. Vraiment. Parce que quand tu travailles, l'homme a peur. Il se dit que tu es indépendant. Parce que quand tu te couches que le abec abec, tu fais le moumou sakaria devant un homme. Il va te respecter avec quoi? Tu es sa lumière, tu es sa lune, putain, vends-toi cher. Mets-le dehors. Mets-le dehors. Tu es sa lumière. C'est toi qui lui donnes la lumière, ma soeur. C'est toi qui lui donnes la lumière. Mets-le dehors. Mets-le dehors que va vivre avec ta maîtresse et ton enfant qui est là-bas, pas loin là. Mets-le dehors. Je comprends finalement pourquoi certains beaux-frères n'acceptent pas leurs beaux-frères. Parce que quand un homme t'a déjà aveuglé avec les mensonges, tu ne crois pas à ta famille. Je ne prononce le nom de personne. Hein. Je ne veux pas que... Après, on dit que Flore de Lis a parlé. Je ne prononce le nom de personne. Je n'ai pas besoin. Je ne prononce pas les noms. Quand un homme... Quand tu vois un beau-frère qui ne s'entend pas avec son... Les hommes que vous voyez la voient loin. Parce que le gars voit, il est dehors, il entend. Il sait que sa soeur n'est pas heureuse. Qui peut accepter que sa soeur soit malheureuse? Personne. Non, personne ne peut accepter de voir sa soeur souffrir. Personne. Personne ne peut accepter de voir sa soeur souffrir. C'est vous qui faites les enfants dehors. On rencontre un homme qui a déjà ses enfants, on comprend. Mais tu me dis que tu es marié, c'est toi qui dis comment ça dose. Mais pourquoi faire l'enfant avec quelqu'un d'autre? Qui se pavane comment? Parce que tu es belle. Quand on te... Tu es belle. Et c'est toi qui es la lumière de certaines personnes. Oh, je n'ai jamais vu une fille bamileke. Yeah, non. On dit comme tournez ça. À gauche sur tu es le porte-bonheur. Tu es le porte-chance. Faut taper la main sur la table sur certaines bêtises. N'importe quoi. Vous croyez que quoi? Non, certains hommes, ils exagèrent. Hein? Mets là dehors, mets dedans, déclate. Bref. C'est incroyable, nous tous on vit des situations, mais il y a des trucs quand même qui font mal. Hein. Une maîtresse qui connaît tout ce qui se passe dans la maison. Et toujours dans le même secteur. Hein. L'amour de ça. Vous les femmes là, vous n'avez pas honte de prendre les maris des gens. De prendre les maris des gens, oh ok, j'ai pris. Les vacances, savez-vous? Le ceci, savez-vous? Mais quand on veut tromper l'autre, on fait un peu un ja-un-ja, on calme l'esprit. Entre-temps, c'est la maîtresse qui sucre alors. Tournez à gauche sur rue ordinaire. Maman, on a acheté la voiture à la maîtresse. Hush! Non, maman, il y a les maîtresses ici dehors qui ont la chance. Hein. Parce qu'on achète même la voiture, on donne à la maîtresse. Maman, tu as eu ta part là sur Facebook, oh. Adama. Tu as eu ta part là, ton frère du village. Tu as eu ta part sur Facebook. Vous croyez qu'on peut faire ça une fille bêtise? Tu mens. Erika, on ne peut pas faire ça une fille bêtise. Tu fais un truc comme ça une fille bêtise, elle ne laisse pas jamais.
Quoi? Oh, c'est pour ça que j'apprécie les bêtises et les bassins. Non, je vous donne les mains. Vous êtes des femmes comme ça. Vous êtes des bonnes. C'est-à-dire que vous êtes des conteneurs de gars. On ne peut pas faire ça à une fille bêtise. Jamais. Ok, merci monsieur, pardon. Merci. Merci. Ok. Oui, ordinaire, ok. Donc, une fille bêtise, que ça a commencé comment? Mais nous les filles bamileke, toujours parce qu'on va dire que tu es divorcée. Mon frère. Tournez à droite sur rue. Donc si tu te maries, ça ne donne pas, tu vas rester pour la famille. Donc c'est dans nos habitudes. Après quand les gens vont dire, on va dire qu'on est jaloux. Jaloux de quoi? Jaloux de quoi? C'est la prison. Non. Dans 300 mètres. Chacun a le droit. Tournez à droite. Voilà Benjamin Niat et sa femme. Qui peut parler fort là où il y a sa femme? Hein? Qui peut parler fort? Vous avez vu Niat, non? Qui peut parler fort? Quand tu me l'as dit que sa femme... Voilà un conteneur. Mais tu vas parler quoi que sa femme, tu es d'abord quel gars? Tous les sawar-sawanga, les prostitutes, les maîtresses qui sont dehors là. Elles peuvent parler quoi devant Josiane Niat? Hein? Rien. Eh, hey, lui là, tu vas tenter de parler de sa femme, hein? Hey, on a vu ici les vieilles chouettes qui le draguaient. Comment? Eh, hey, il les a mis K.O. Okay. Ne parlez pas à ma femme, hein? Faut voir. Parce que l'homme doit être reconnaissant pour ce que la femme lui a fait. Pour le bonheur, pour tout. C'est très important la reconnaissance. Très, très important. Et puis dans tout ça dehors, on dit que c'est la femme qui est mauvaise, alors que c'est faux. Une personne qui n'aime pas se mélanger. Moi, ça me fait de la peine. Hein. Ça me fait de la peine. Doudou m'envoie le message. Elle dit quoi? Oh, d'accord, c'est super, Doudou. Oh là là, c'est bien ça. Mamie, elle est à table ou pas? Tu as fait... Oh là là, c'est bien ça pour mamie. Ah. Attends, je l'appelle, je dis que je suis en train d'arriver. Faut que ma mère, elle a toujours envie d'être rassurée. Ouais. Mamie A. Coucou. Maman Anna. Allô. Oui, ça va d'où? Elle est dans la salle de bain. Ah, elle est dans la salle de bain. Ah, j'ai vu ce que tu lui as. J'ai acheté ta vinaigrette la dernière fois. Là, j'arrive, je vois que la bouteille, elle est vide. La bouteille vinaigrette. Mais tu lui mets juste de l'huile d'olive. Ouais. Non, ce que j'ai fait, j'ai mis dans la bouteille un peu de... J'ai secoué et j'ai mis. Ouais. D'accord. Moi, je viens d'arriver à Château Rouge. Je vais chercher la place, je vais me garer. Je devais la voir, mamie. Tu peux aller vers elle. À la salle de bain, s'il te plaît. Je vais juste lui dire que j'arrive. Elle est fatiguée de me demander. Bien, bien. Ouais, mamie. Ah, ma. On est fâché. Moi et mamie, on est fâché. Pourquoi? Maman, on a gelé les mains. Moi, je suis là. Moi, je suis une joie, Titi. Où ça manque encore aux autres encore? C'est pas un bon cas, non? En tout cas, ils sont, mais toi encore, c'est dans ma. Ah, mon songa, ouais, mais c'est comme joie, Titi. Mon joie, mon temps, ça. Ça a crissé, non? Parce que je fais un bangan. Ok, mamie, j'arrive, maman. Dans une heure, celui-là, si tout va bien. Je suis en train de... Ouais, je vais me garer, là. Je suis même arrivé vers chez Joël. Ouais, bisous à tout à l'heure. Merci. Ok, ouais. Donc, maman, elle est en train de se rassurer que je vais bien. Je vais me garer, je vais aller chez Basile. Je prends quoi chez Basile? Chez Basile, c'est toujours chez Joël. C'est pour ça que je m'arrête ici chez Basile. Comme ça en route, non. J'ai pas envie d'aller chez Joël là-bas derrière. Moi, je m'arrête toujours sur la deuxième boutique de Joël. Sur la Château Rouge. C'est là. Tac. Sur la Château Rouge. Et voilà même une place au. C'est ça.
C'est un château rouge, c'est ça, un château rouge. Ouais, c'est Doudou qui est resté avec mamie, hein. Quelqu'un qui est sorti. Non, mais c'est pas une place. Pas une place. Tu m'as dit chez Basile. Hein. C'est quand j'arrive chez Basile, tu vois. Non, Basile, en fait, c'est tout chez Joël. Hein. C'est Joël de Château Rouge qui est à la boutique de Basile. Mais comme c'est en route, tu vois, j'ai la possibilité de me garer et j'achète vite, vite ce que je veux. Parce que comme je suis. Moi, je ne traîne pas pour faire les courses. Hein. Je ne traîne pas. Je ne traîne pas. Hey, mais quand tu. Non, non. Vraiment, la France, hein. Les États-Unis, c'est quelque chose, vraiment. Rien à voir avec la France. Ma faute, tu vas pouvoir garer. Chez Joël, là, c'est pour ça qu'il m'arrête en route, là, chez Basile, ici, en route. Chez Basile, ici, tu vois, non. Ici, là, en route, je m'arrête. Je prends vite, vite ce qu'il doit prendre. Je dois faire un truc aussi là. Voilà, tu vois, non, moi je me mets ici. Voilà, je viens, je me mets là. Parce que je sais que je fais vite. Voilà, je fais vite. J'entre ici. Ça, c'est la boutique de Basile aussi. Voilà. Je me mets ici. Je fais vite. Les gens vont souffrir, mais. Hein. C'est que je viens ici comme ça, je prends vite, vite ce qu'il doit prendre. Il doit fermer la voiture. Donc, je vous laisse alors. Je vais faire les courses vite fait. Je bloque la voiture et la police. Donc, je prends vite ce qu'il doit faire. Et puis, c'est bon, non? Attendez. Oui. Oui, maman, je te... Allô? Oui, maman. Je vais seulement te rappeler. Hein. Je t'ai appelé, j'étais... Allô, tu m'entends?